Eh oui. Un beurre pas aidant, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Voilà. Il y a bien des gens comme un beurre pas aidant, alors. Cher Francis! Cher François! Vous m'avez élu au chauffage universel. Je tiens à vous dire merci. Merci. D'autant plus que je ne penserais pas que c'était vous qui m'avez choisi, vous. Votre choix me va droit au cœur. Et sachez que je serai le président de toutes les Francis et de toutes les François. Vous m'avez sollicité à la tête de notre pays. Je vous garantirai donc le bon fonctionnement de nos institutions. Et je serai les gardiens de vos libertés. Et si ça ne suffit pas, je vous laisserai les doubles des clés. Certes, ensemble, j'en conviens, nous traversons des moments difficiles. Très, très, très difficiles. Mais soyons décidés de tout cela et balayons nos corps à l'intestin. Comme nous avons balayé, balayé, balayé. Et tout ce qui s'essuie. Avançons d'un même pas, la main dans la main, le regard face à l'horizon. Aussitôt investi de mes fonctions, je prendrai les mesures que je vous ai promises. Je te le jure sur la voix de ma mère. Pour le chômage, pour le chômage. Il y aura du travail pour tout le monde, je peux vous l'assurer. Ceux qui veulent faire la plomberie, ils feront la plomberie. Ceux qui veulent faire la menuiserie, ils feront la menuiserie. Oui, je dirais tuyau, ce que les gens pensent tout bois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prendrons aussi des mesures pour une meilleure politique agricole. Agricole. Pour que nous puissions tous profiter de nos denrées alimentaires. Tous, mouton, tous, poulet, tous, brochet. Ceci d'Ibrahim. Ça va, tu connais. Je conduirai les affaires des pays tel un automobiliste sur l'autoroute des succès. Pour la sécurité de l'emploi, il faut se serrer la ceinture. Pour la relation économique, il faut se serrer la ceinture. Pour la relation internationale, tes pieds desserrent la ceinture. Mais tu gardes quand même le pantalon, hein. Il faut augmenter le pouvoir d'Aïcha. Pourquoi tu l'as coulé? Et gelé le taux de crédit. La hausse, non. La baisse, ça va, merci à toi. Bon, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Tête de merde, hein. On habite tous ensemble, hein. Y a-t-il des Français dans la salle? Y a-t-il des Français dans la salle? Y a-t-il des Français dans la salle? Bon, y a-t-il des Arabes dans la salle? Que les Français lèvent la main droite. Que les Français lèvent la main gauche. Que les Arabes fouillent dans les poches. Hé, hey, la dame là-bas, elle applaudit comme ça. Mais on rigole, on rigole. Alors, madame, à moi, mais on rigole. Eh ben oui, à moi, mais dans le portefeuille. Il y a combien? Avec les 10 petits. Ben oui, avec les députés, avec les sénateurs, nous ferons des commissions extraordinaires. Et je suis sûr que ça va super marcher. Car les parlementaires ne sont pas des parlementaires. Ouais, c'est moi qui l'ai tapé la machine, là. Comme les sanitaires, c'est pas les sénateurs. Alors, nous remonterons la pente petit à petit.
Et nous arriverons bientôt au bout du tunnel. Mais ça dépend à quelle vitesse tu roules. Une petite devinette pour égayer la soirée, oh là là là. Mohamed et Jean-Marie sont sur un bateau. Mohamed tombe à l'eau, qui c'est qui l'a poussé? Ah, c'est pas moi qui l'a poussé, hein? Pour l'Europe, tiens, pour l'Europe, l'Europe. J'allais vous en parler. Nous sommes en passe avec nos partenaires européens de signer un programme de construction de 43 usines de bombes insecticides. Que tu nettes les mouches, les moustiques, le cafard et toutes tes petites bébêtes qui nous emmerdent quand il fait beau. Ayons un esprit de compétitivité qui feront de nous les premiers dans beaucoup de domaines et secteurs de pointe. Tac tac technique, tac tac technologique, mécanique, biologique, homéopathique, gastronomique, bonsoir Monique, bonsoir, c'est ma femme, antiseptique et toute la clique. Comme je le disais l'autre jour dans le Parisien libéré, si t'as le contre de chaise, achète un canapé. Non, le loto, non, le taux de natalité. Le taux de natalité est depuis de nombreuses années en chute libre. Il faut donc trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Ah, c'est le vrai, hein? On parle de l'auto tac au tac, hein? Chers Français, chers Françoises, avec mon gouvernement, un effort vigoureux sera entrepris. Mais n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas. Je suis pas Rambo. Je suis pas Dorothée. Je suis pas Zorro. Moi, c'est l'Aziz. Oui, alors, hein? Chers Français, chers Françoises, je voudrais vous annoncer une première mesure que mon gouvernement et moi-même avons prise d'un commun accord et tout le monde. Il a été d'accord à l'unanimité, mais moi. Nous avons décidé, à partir d'aujourd'hui, sur tout le territoire français, dom tom compris, une baisse de 50% sur toutes les couscous fiers en inox. Oui, 50% si j'étais toi, j'achète, hein. Chers Français, chers Françoises, avant de vous quitter pour aller à ma lourde tâche que vous m'avez confiée, sachez que malgré tout, de la République à la Bastille, de la Bastille à la nation, une seule solution. Tu prends le métro. C'est vrai. C'est vrai. Et d'une même voix qui s'élève de mes babouches. Non, de ma bouche. Tous ensemble, tous en cœur et tous unis. Après l'hiver, le printemps et après le printemps. Ouais, c'est bien, non, c'est mieux, ouais. Non, parce que je l'ai fait hier soir, j'ai dit après l'hiver, le printemps, et après le printemps, il y a qui m'a fait l'hiver. Bon, d'accord. Bon, moi, j'étais mort de rire, hein. Allez, tous ensemble. Après l'hiver, le printemps, et après le printemps. C'est bon, et t'entends une minute.